Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter cette superbe Lexus, Toyota Lexus, reconversion de Assetto Competition. Et oui, c'est déjà la troisième voiture. Rappelez-vous, je vais vous montrer naturellement pour vous rafraîchir la mémoire, la première voiture qui avait été faite par le modeur Master Key. Donc c'était cette superbe Ferrari 488 GT3. Je vous ai présenté hier cette superbe Porsche, vraiment top de top, vraiment un coup de cœur cette Porsche. Très bon boulot qui a été effectué par le modeur Crash. Et aujourd'hui, je vous présente cette superbe Lexus, Toyota Lexus, également top de top, reconversion de Assetto Competition qui a été fait par le modeur Element 1999. Vraiment trois voitures pour le moment. Il y en aura encore d'autres puisque je vous prépare d'autres dossiers naturellement. Mais en tout cas, vous avez ici la troisième voiture, reconversion d'Assetto Competition. Vraiment un boulot phénoménal qui a été fait. Vous voyez peut-être aussi en haut à droite un petit symbole avec 4K Ultra HD. Mais simplement pour vous dire, si vous avez de la 4K, des écrans 4K, vous avez la possibilité de changer la résolution puisque je fais mes vidéos en 4K. Donc tout ce qui est vidéo font être à partir de maintenant en full 4K. Donc si vous avez du 4K, mettez-le dessus. Vous allez voir la qualité, il y a une grosse différence en tout cas puisque je sors en 4K brut via OBS. Donc voilà, petite information que je vous donne et vous allez voir ça après dans les ralentis, etc. On va directement découvrir cette superbe Lexus dans Content Manager. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc dans Content Manager pour vous montrer effectivement cette superbe Lexus RCF GT3 Assetto Competition. Vraiment top de top, je répète, j'insiste vraiment sur ça. Modeur Element 1999, je lui fais de la pub. Alors vous allez voir, lorsque vous avez téléchargé, je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo, vous allez voir, je vous montre ici naturellement, lorsque vous avez décompressé, vous allez avoir donc Lexus, vous allez aller dans ce dossier, vous allez voir, il y a plusieurs dossiers. Alors si les gens se posent la question, j'ai déjà eu l'autre fois une question dans ce genre là, tiens, est-ce que je dois mettre tous ces dossiers? Non, pas du tout. Vous avez ici des templates en 2D, en 3D. Les templates, c'est pour ceux qui veulent faire des skins, leur propre skin. Vous avez besoin de template, vous allez utiliser à ce moment-là votre programme pour pouvoir créer votre skin. Pour dans le cas où vous ne voulez pas faire ça, vous allez simplement aller donc dans copier ce dossier content et vous allez le copier donc dans la racine de votre jeu, puisque quand vous allez voir content cars et vous allez voir, il y a deux versions, il y a une version ACC Competition et il y a une version ACC Competition Sprint. Donc c'est voilà, vous avez ici les deux versions donc de la Lexus RCF GT3 top de top. Une fois que vous avez fait ça, ça marche nickel. Vous voyez ici donc la Lexus, superbe skin également ici. Très très bon boulot qui a été effectué par le modeur de nouveau. Je vous remonte naturellement, si vous n'avez pas de quoi je parle, je vous mettrai tous les liens de nouveau pour rassembler, pour revenir vers la Porsche et revenir vers la Ferrari si vous avez manqué une des trois vidéos. En tout cas, je vous remonte ici la super Porsche que je vous ai fait découvrir et naturellement cette superbe Ferrari 488 GT3 fait par Master Key. Vraiment top de top. Ici, trois voitures déjà, reconversion d'Assetto Competition. Et aujourd'hui, donc, on regarde cette Lexus de plus près. On va se retrouver directement dans le jeu et voir ce que ça donne au volant de cette superbe Lexus GT3. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc pour la présentation de cette superbe Toyota Lexus. Vous allez voir ici vraiment super boulot. Alors ce qui est impressionnant aussi, c'est la qualité des LED, puisque le modeur a vraiment pas fait dans le détail. Je vous montre ici, on avance un peu dans le temps. Regardez quand c'est la nuit, puisque vous avez effectivement l'éclairage des portières, naturellement également dessus. Je vous montre, regardez, vraiment super bien fait. Top de top, vraiment un boulot, super boulot qui a été fait, cette reconversion d'Assetto Competition, vraiment nickel, vraiment il n'y a rien à dire. Écoutez-moi ce son de moteur, je vais me remettre vers 18h, comme ça vous allez avoir ceci, voilà, de cette manière-là, écoutez le son. Vraiment, il n'y a rien à dire. Allez, on va découvrir cette superbe Lexus. Tableau de bord, vraiment nickel. Avec les trois écrans, je peux vous dire que c'est vraiment très très immersif. On va se faire un petit tour sur Spa et... Bon, les filets aussi sur le côté de protection qui bouge. Vraiment très très bien fait. Allez, c'est parti. Et un petit temps un peu couvert. Très très bien fait ici. Force feedback est vraiment
superbe aussi. Il sent vraiment bien le poids. Bon, par rapport à la Porsche, c'est un autre son naturellement. Beaucoup moins présent. Mais pas déplaisant naturellement, qualitativement. Vraiment, de nouveau, super boulot qui a été fait ici par ce modeur. Élément 1999. On se fera un petit ralenti. Sent bien le poids de la voiture. On va assez tôt. Et avec les voitures d'Assetto Competition, vous voyez déjà venir. Vous voyez la qualité aussi. Top, top boulot qui a été fait ici. Oh, écoutez l'explosion là, l'échappement là. Réagit au quart de tour. Oh là là. Oh, le son vous envoie. Et on va se mettre sur ce côté ici. Voilà. Voilà. Super. Oh, franchement dit, on va se faire le ralenti. On va découvrir ça directement sans. Voilà, on découvre le ralenti ici. Écoutez-moi ce son. Ça claque bien ici dans cette descente dans la cuve. Imaginez la réverbération ici, incroyable aussi. Très 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 bon mode ici aussi. Les effets de lumière sont assez tôt aussi. Vraiment super, vraiment bravo pour ce boulot aussi, de cette reconversion de Assetto Competition. On l'entend bien arriver. Vraiment très imposant comme son aussi à l'extérieur, en tout cas je trouve qu'elle est plus imposante à l'extérieur. Entendez? Voilà. Termine tout doucement ce replay. Comme ça, vous découvrez également le son de l'extérieur. Voilà. Et on se retrouve directement pour la conclusion. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc pour la conclusion et la fin de cette présentation de cette superbe troisième voiture, en tout cas de cette Toyota Lexus reconversion Assetto Competition. Vraiment top de top boulot qui est effectué aussi bien pour cette Lexus que sur la superbe Porsche et pour la Ferrari 488. Vraiment top, merci au modeur en tout cas de nous partager ceci. Moi je vous partage naturellement ça avec grand plaisir parce que je sais que vous êtes fanat de cette catégorie là et naturellement ben le fait de pouvoir utiliser cette superbe reconversion d'Assetto Competition et de pouvoir le jouer sur notre jeu, en tout cas je pense que beaucoup seront d'accord avec moi sur Assetto qui voilà qui propose quand même pas mal d'avantages par rapport, je répète, à Assetto Competition. Je ne vais pas refaire la polémique, mais en tout cas ici vraiment super boulot, merci mille fois.
je terminerai cette vidéo par un petit montage, juste un tour avec ces trois voitures réunies en 4K. Je vous réindique que si vous avez la possibilité de visionner ces vidéos à partir de maintenant, toutes mes vidéos seront en 4K. Donc vous avez des écrans 4K, ben, allez-y, laissez-vous faire plaisir et mettez ceci en haute définition. Vous allez voir, ça pète bien les rétines. En tout cas, donnez-moi votre feedback si vous avez des écrans 4K et que vous avez mis sur 4K. Voilà, donnez vos commentaires, c'est toujours bien de savoir s'il y a des choses à améliorer. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à le poser dans le commentaire. Donnez naturellement votre feedback, ce que vous en pensez. Votre avis est aussi important pour moi. Et naturellement, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour les amis que vous connaissez qui aiment aussi cette catégorie GT3. Pour le moment, vous avez trois voitures. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et naturellement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir après le boulot. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. On se retrouve prochainement, nous, pour une nouvelle vidéo. Et naturellement, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez chez vous. À bientôt. Ciao, ciao.